Ehi là, buongiorno ragazzi! Come state? Spero tutto bene. Ieri ho fatto una scorpacciata di tarrasco perché ho visto che le femmine non sono pronte, ragazzi, ok? I maschi sono belli carichi, ma le femmine non ci siamo. Ehi là, salut les gars! Come ça va? J'espère que tout va bien avec vous. Comme vous avez vu, j'ai trouvé les pistons-lits. J'ai pris une bonne quantité et on doit faire comme ça les gars parce que je vois que les femelles ils sont pas prêts mais les mâles ils sont prêts cette année et donc il faut essayer de donner le maximum de pistons-lits. Assalamu alaikum akhoui el kiram, kama taraoun اليوم وجدت الكثير من هذه النبتة. Ragazzi, un piccolo consiglio: se pensate di allevare i cardellini o riprodurre i cardellini restando seduti nel divano e dando solo scaglie e acqua, non ci avete capito niente, ragazzi. Qua per avere risultati bisogna sudare, vi dovete alzare, andare a cercare le piante selvatiche, in questo caso il tarrasco, i fiori del tarrasco e tutto, ogni giorno. Questo lo faccio due volte al giorno, pensate voi. Et voilà les gars, comme je viens de dire, il ne faut pas penser que quand on donne juste le mélange de grains et un petit peu de l'eau, qu'on va voir des résultats et tout ça. Non, ça ne marche pas comme ça avec les charbonneries. Il faut chercher les plantes dans la nature, par exemple comme le pissenlit ici. Ça c'est un travail de 40-45 minutes chercher. En plus après donner tout ça, ça fait une heure de mon temps que je donne pour eux. Je le fais deux fois par jour par exemple et je le fais aussi avec plaisir parce que je sais qu'elle peut aider dans la reproduction. Hey, hi guys, how are you? I hope everything is fine. So, as I said, with goldfinches, you have to do your best, you have to give your time. Like here, I do that every day for them because I know it's gonna help our birds, okay? Ragazzi, volevo farvi vedere un attimo la mia miscela personale che ho fatto con un veterinario specializzato per non avere problemi di fegato, eccetera. Questa è per la riproduzione, ok? Voilà les gars, ça c'est mon mélange personnel que j'ai fait avec un vétérinaire pour pas avoir de foie et tout ça. Ça va être dans un commerce le plus tôt possible. Je vous le dis bien sûr avec un vidéo. هذه الأكل الذي أعطيه للطيور أخوي الكرام. أنا فعلت هذا مع طبيب الحيوانات لكي لا يكون مشاكل في الكبد وهذه الأشياء. So here guys you can see my mixed seeds. Okay. Questo l'ho fatto perché me l'avete chiesto in tantissimi e per rispetto ve l'ho fatta vedere. Ovviamente farò un video apposta sul perché ho scelto questi semi e tutto, ok? Je vais juste vous montrer les gars parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, s'il te plaît montre-nous ton mélange, tout ça. Et pour respect, je montre, mais je vais faire un vidéo sur pourquoi j'ai choisi cette grain et tout ça, spécifiquement, et on va le voir ensemble. Guardate questa fanciulla, che c'hai? Vedete ragazzi, chi semina raccoglie. Per esempio, come ben vedete, il volatile non ha proprio paura, guardate, la mano è lì, perché ogni giorno sono a contatto con me, mi conoscono oramai. E voilà les gars, parfois le travail ça retourne toujours de bon moment. Vous regardez, l'oiseau il est avec moi et il a pas peur parce qu'il me connaît. Et ça, il y a un contact entre l'éleveur et l'oiseau. Ça, c'est très très important pour une bonne réussite aussi. Le bon travail, ça paye toujours. Mesdames et messieurs,
الطائر لا يخاف لأنه يعرف من أنا لأنه دائما يراني ودائما أعطيه هذه النبات وهذه الأشياء. Ovviamente non dimenticatevi di commentare, di dirmi come sta andando la vostra stagione, ok? Anche se devo dire la verità, quest'anno le femmine non sono ancora pronte, ok? Però c'è un piano B per voi, dovrò vedere dei trucchetti per riscaldare un po' la femmina. Dunque non dimenticatevi di commentare, ok? Voilà les gars, pas oublier de laisser un petit comment, de me dire comment se traîne aller votre saison. Je vais être honnête avec vous, cette année j'ai vu que les femelles ne sont pas beaucoup prêtes, les mâles ils sont déjà prêts, mais pour ça j'ai un plan B et je vais vous montrer la prochaine fois qu'est-ce que je fais pour réchauffer la femelle, ok? اخوان الكرام لا تنسى التعليق وتقول ماذا يحدث معك مع طيورك هذا العام, هل لديك الافراح؟ ولكن بصراحه هذا العام انا رايت يعني اختلاف من العام الماضي لانه الانثى ليست جاهزه اوكي والذكر جاهز, ولكن مثل ما قلت ساريكم ماذا افعل متى تكون هذه الاشياء لكي الانثى تصبح جاهزه اوكي. So guys don't forget to let me know how it's going with your season with your birds. And actually, as I said, there is a small difference between this year and last year because the females, they are not ready yet. But I'm gonna show you what I do in this case to prepare the female to make her ready, okay? So don't forget to subscribe, to comment, share with your friends, and see you next time. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente. E come vi ho detto non dimenticate di iscrivervi, lasciare un piccolo commento. E voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et nous on se voit la prochaine. اخوان الكرام اتمنى ان اعجبكم الفيديو, لا تنسى الاشتراك والتعليق واراكم في حلقة اخرى ان شاء الله. تشاو بالي.
Thank you.
Thank you.
Thank you.